Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite suite de mon let's play sur le petit Sword Art Online Holo Fragment. Hein. Et du coup on est parti à la découverte du nouvel étage, donc je sais plus, je crois que j'en étais au 88 ou 89e, donc on va se lancer ça tout de suite. Donc du coup je m'étais arrêté dans cette forêt, hein. J'ai juste été découvrir les petites zones avec les petits coffres. Donc du coup la suite elle se trouve par ici. Donc là pour l'instant je vais jouer avec le style à une épée, ce qui me permettra de monter les points. Et ensuite le boss, je ferai tout simplement l'épée, le truc normal avec les doubles épées, parce que ça me permettra quand même d'avoir beaucoup beaucoup plus de DPS. Du coup je sais plus s'il me reste des quêtes ou quoi que ce soit. Donc là j'en ai une, là il faut que je récolte deux ressources quelque part et... d'accord, donc on est bien au 88e étage et il faut que je récolte des trucs sur des crabes, ok. Peut-être que c'est sur cela d'ailleurs. On va aller voir ça. J'allais dire, comment tu meurs pas toi? Ok, toi tu peux dégager, ah ouais d'accord, ok. Donc c'est sur eux, ok, bon bah vous savez quoi, je vais récolter tout ça et comme ça au moins... on sera tranquille pour le faire le boss et la suite. Ok, donc là je viens de ramasser tous les trucs et j'ai fait du coup toutes les quêtes secondaires maintenant. On est tranquille pour aller farmer le petit donjon. Donc il faudrait que je regarde à peu près à quelle partie je suis dans l'épée, là, combien de niveaux. Ah d'accord. Alors du coup c'est pas encore le labyrinthe, mais on est 650. Ça me fait flipper le con. Certainement qu'ils vont aller lire la relique et qu'il va peut-être y avoir un boss qui va apparaître. Bon, de toute façon, il faut juste chercher un petit peu partout. Ah d'accord, ok, il y a 4 chemins. 3 chemins pour l'instant, donc certainement que dans les 3 chemins, il doit y avoir un labyrinthe. Ok, d'accord, bon. Il y a forcément, du coup, un boss qui doit être par ici. Il faut que j'aille chercher. Ok, ok, bon bah on va essayer de faire ça, pas de soucis. Toi mon pote, tu dégages. Oh bah j'ai vu de l'autre à côté, je sais pas si c'est moi, mais je l'ai complètement balayé. Ah, il y a un golem là-bas. Est-ce que ce serait le monstre qu'il faut que j'aille faire? Il y en a... Ah d'accord, donc là j'ai une voix. Le truc à faire, bon pour ça, c'est vrai que dommage. C'est qu'il y a beaucoup de compétences, il y a au moins 4 compétences qui sont à un coup sur sur le style à une épée. Donc en vrai, c'est un peu dommage. Après, elles font pas en plus si mal que ça, hein, en vrai. Ok. Donc là, c'est certainement les autres portes de ce machin. On va débloquer le boss, certainement. Bon, alors si c'est ça, techniquement, je vais juste vous enlever... tous les passages avec toutes les portes. Sinon, il y en aurait pour pas mal de temps quand même. Ah, ok. Donc là, ça doit être l'un des boss, donc. Ok. Ah, oula, comment c'est, master? Bon, heureusement, c'est pas une compétence qui fait super mal, donc ça va. Ok, tac, 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 tac. Je fais pas grand-chose, les gars. Bâtard. Heureusement, j'ai pas eu le temps de lancer la compétence. Voilà. Ta sœur. Voilà, nickel, tu dégages. Donc, hop. Oh, intéressant ça. D'accord, donc en fait, il faut que j'active ces cristals, je pense. Ou alors que je détruise ces cristals. C'est pas du tout ce que je croyais, mais bon. Y a rien. Bon, bah d'accord. Donc du coup, on va devoir niquer les cristals de toutes les portes. Enfin, des 3 passages qu'il y avait, hein, donc je vais vous enlever tout ça, je pense. Parce qu'en vrai, c'est pas compliqué, hein, comme vous voyez, les salles sont très plutôt sympas. Mais dégage, toi. Je vais juste voir s'il n'y a pas de... Ah, tiens, c'est une passe... C'est une porte fermée, ici. Hop. Oh, l'autre, il me tabasse, il me fait 300, quoi. Bon, il a un peu plus de points de vie que les autres, hein. Merde. Ah si c'est bon. Là vous voyez que comme ça je fais que des compétences à un coup. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Hop. Et en plus c'est pour 50 000, c'est pas non plus un truc de dingue. Hein. Et ça c'est une charge. Oh le bâtard Baston.
Ah, il m'a bien niqué là. Il m'a bien niqué. Bon bah voilà. Plein de petits coffres. Allez, casse-toi. Et toi aussi. Voilà. Ok, donc là on arrive à la salle du deuxième boss, hein, et en fait je me suis planté tout simplement parce qu'il n'y avait qu'un seul boss, enfin deux salles, alors en fait j'en avais compté trois parce que je venais, j'avais compté tout simplement la sortie de là où j'étais arrivé, donc c'était un peu con. Hop, vas-y, compétence suprême, et voilà, parfait. Tout dégage. Donc maintenant on n'a plus que le cristal à enlever. Voilà. Je suis planté, voilà, ça on l'enlève. Et on n'aura plus qu'à accéder à la porte pour continuer la suite. Ok, donc là, on est d'accord qu'il y a... Putain, parfois ma manette elle part en couille. Il y a que dalle. Ok, bon bah du coup, on va aller voir directement le truc. Là, y a rien, bon bah c'est bon. J'ai tout fouillé, au moins j'ai tranquille, j'ai tous les coffres, j'ai tout ça. Peut-être une cinématique dès qu'on sera arrivé. Ah bah non, il n'y a rien du tout. Ah si, si, alors j'ai allé. Alors attends, il parle d'un dragon, mais je suis pas sûr d'avoir bien vu. Ah oui, il y a bien un dragon, ok. Un zombie dragon, d'accord, ok. On va te manger le dragon. Tu vas voir mon gars, le nécro-dragon, carrément. C'est vrai qu'il a l'air plus dégueulasse que les normales. Il est plutôt... ouais, pas ouf. Par contre, laisse-moi te taper, s'il te plaît, merci. Bâtard. Ok, switch. Hop. Voilà, le coup. Et là, bon, je termine avec cette compétence, et c'est bon. Nickel, ouais. J'avais tout prévu. Ok, on va pouvoir continuer la suite. Y'a rien, y'a pas de coffre, y'a que dalle du tout, ok, c'est pas grave. Pourquoi je suis tout rouge, là? Il m'a foutu un malus. D'accord, ok, j'ai un petit malus. Oh... non, défaite. C'est quoi, il faut que je tue un monstre spécial? Ah, ça doit être celui-là. C'est le seul qui est en fumée. Ok, ça doit être ça. Bâtard. Attends, vas-y. Hop. Et voilà. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire, hein, de toute façon. Défaite, machin, item de... Ah. D'accord, ok. Donc là, la tiny, je sais pas quoi. Ok, là, c'est bon. Ok, alors, en fait, il fallait que je le bute, tout simplement. C'était pour avoir un des... Un des patterns du boss, hein. D'ailleurs j'ai pas regardé si on voit les noms des boss. On va aller voir, ah d'accord, donc là on est dans le labyrinthe. Alors attendez, je voulais voir le pattern. Boss room, non ils disent pas ce que c'est, d'accord. Parce que peut-être parce que j'ai pas complété le truc. Ok, donc là je vous avoue, je ne sais pas à quoi m'attendre comme boss room. Voilà, du coup, on est dans le labyrinthe. Oui, c'est bon, ok. Donc, comme d'habitude, hein, je vous montrerai le premier étage. Hein, et puis ensuite, on se terminera avec la salle finale. Hop là, toi tu dégages. Moi, je te coupe en deux. Et toi, je te traverse. Ah merde. Ah si, c'est bon, ça réussit. Alors. Merde, j'ai déjà arrivé à la bosse. Ok, bon, attendez, il faut que je fouille un petit peu de tout. Parce que sinon, je ne vais pas avoir toutes les ressources. En plus, ça donne des armes, ça donne tout ça, donc forcément, j'ai envie d'avoir des ressources et des thunes. Hop là, le coup de zone. Bon, c'est sûr que les compétences, quand tu regardes, il n'y a pas photo sur la puissance des double épées dans ce jeu. Hein. Hop là. Et wesh. Pourquoi je peux pas taper là? Oh. Attends, tu m'as saoulé, voilà. Il faut vraiment aussi que j'avance dans le holo area. Ce qui me permettrait d'avoir les attaques ultimes de toutes les compétences. Et ça, ce serait un truc de fou. Oh. Excellent.
Je sais pas ce qu'il fout là, lui, mais on va essayer de le buter. Bâtard, il m'a stun. Coquille ennemi, je sais pas trop quoi. Ok, c'est celui-là le truc qu'il faut que je tue. Ok. Ok, go, go, go. Hop, 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 hop. Bon, c'est sûr qu'avec l'autre, j'aurais mis une compétence. Je pense qu'il était mort. Hein. En même temps, je fais des sorts, je fais des compétences où je fais des maintenant du 500 000 de dégâts. Alors, il n'y a pas photo là-dessus hein, en termes de DPS quoi. Bon, les petits coffres. Tac. C'est bien, ça donne pas mal de ressources. Ça donne une épée. Ah non, c'est une cimeterne. Une petite cimeterne. Et. Ah, il y avait encore une salle. Il me restait une salle à faire. De toute façon, j'ai pas été tout droit donc. Bien le bonjour à toi. Hop là, le dash. Il me faut trop l'utiliser là. Il faut vraiment que je spamme le comment s'appelle l'épée à une main parce que je vais trop utiliser les compétences de l'épée à deux mains quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage de faire ce genre de truc pour pouvoir débloquer des styles d'armes quand même. C'est un peu dommage quoi. Ok, donc, bien. Ok, donc là, on a tout fait, ok. Bon, bah du coup, on va se retrouver au tout dernier étage, comme je l'avais dit. Bon, du coup, on y est enfin. Donc, on est à la fin de ce petit étage. Voilà, c'est là. En gros, ici, il y avait 4 dragons à buter pour... enfin, en fait, c'est des petites quêtes secondaires. Donc, en vrai, pas compliqué, parce que genre, ils sont dans chaque salle. Donc, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ok, donc là par contre, on va devoir changer mon style d'arme, hein, tout simplement. On va le faire maintenant, comme ça bon, je suis tranquille. Et on va prendre la deuxième, voilà. Donc là mon DPS il est monté quand même assez vénère. Hein. On va pouvoir les rendre toutes les quêtes tranquillement et on va se lancer ce petit donjon. Là je vous avoue que il y a eu beaucoup de monstres. Donc honnêtement je ne sais pas à quoi m'attendre comme boss de raid, peut-être un... Non voilà j'allais dire un crabe, mais peut-être une plante géante, ce serait intéressant. Alors attendez, donc là on va aller rendre les quêtes et on se lance ça tout de suite du coup. Ok donc là en fait j'ai remarqué que quand tu rends justement toutes les quêtes avec le... Bah tiens, enfin, quand tu rends les quêtes quoi, quand tu regardes le truc des guildes, de la guilde, il donne justement le nom du monstre, alors du coup j'ai pas vraiment fait gaffe, mais je pense que ce serait une sorte d'élésard, parce que déjà il a une épée, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin une épée, ça peut être n'importe quelle épée, genre épée à une main ou quoi, parce qu'il avait une compétence avec un sword et tout. Donc honnêtement je m'attends à une sorte de lézard peut-être, soit un lézard, soit autre chose, mais on va regarder ça du coup. Oh, d'accord. Bah attends, on en a pas déjà affronté un boss comme ça? Ah, mais là, c'est le boss du 74e étage, celui-là. Non, celui-là, je l'avais pas encore fait, non. Ah, là, ça fait plaisir, par contre. Le même boss du 74e, quoi. Et en plus, je suis avec Asuna. Ah ouais, il est tellement stylé. Bouge pas, mon petit, je vais m'occuper de toi. Ok, hop. On va booster une compétence. Voilà, tac, tac, tac. Je vais prendre cher. Je me suis dit... Ah bah non. Ah ça va, je m'attendais à prendre plus de dégâts. Ok, c'est parti. On est parti pour le défoncer, sa petite sœur. Aïe, 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 aïe. Le DPS, c'est tellement pas le même. C'est une compétence de base en plus, quoi. C'est même pas... Attends, hop. Trop tard, j'ai vu le truc après. Soignez-vous, non, soignez-vous, pardon. Allez les enfants, soignez-vous un petit peu. Voilà. Oh le bâtard, il m'a niqué ma compétence. Il m'a counter. Allez les gars, compétence pour tout le monde. Aïe 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 aïe. Voilà, 300 000, ça c'est pas mal du tout. On va lui faire la technique la plus puissante que j'ai. Oh, mais le boss, c'est sur le 15ème, là. Je suis en train de le manger tout cru, là. Oh, oh là 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 là.
Il a pas le temps de faire quoi que ce soit, le pauvre. Aïe, 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 aïe. Allez, les gars, encore des compétences. Ah ouais, non, mais là, je crois que je suis en train de faire un record, là, dans... En termes de points de dégâts, là, enfin, de rapidité pour tuer un boss, là, je crois que je suis bien, hein. Et je termine avec un Starburst stream. Non, celui-là, par exemple. Ah ouais, aïe, 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 aïe. Ah, je l'ai défoncé, quoi, hein. Pouah. Allez, moins de 3 minutes, là. Moins de 3 minutes, là, si j'ai pas un rang S, c'est un problème. Ah ouais, moins de 3 minutes, ah ouais, ouais, ouais. Oh, je l'ai pourri, le boss, quoi, je l'ai pourri. Oh, le pauvre, franchement, je m'attendais pas à un tel carnage, quoi. Je m'attendais à ce qu'il ait une plus grande résistance, étant donné que c'est le boss du 74e. Parce que le 75e, c'est l'autre avec ce truc dégueulasse, hein. D'ailleurs, c'est marrant que je l'ai toujours pas croisé, ce monstre. Je l'ai fait croiser au tout début du jeu, mais pas après, quoi. C'est un peu dommage, hein, parce que t'as tous les boss des étages qui sont montrés dans les autres trucs, donc... Ah, quel étage. Bon, bah du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil à ce nouvel étage, hein, comme d'habitude. Paf, paf, paf. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont mis une nouvelle fenêtre? Oui, le 89e. Alors, go tout l'extérieur. En vrai, mine de rien, il reste plus que 11 étages. Donc, avec tout ce qui se passera à la fin, le boss final et tout, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Vraiment, je me demande s'ils ont fait à peu près... je me dis que non, mais un boss qui ressemblerait peut-être à ce qu'on a eu dans le film, même si je me doute que non, quoi. Ah, un NPC, d'accord, donc lui c'est un NPC, ok. Ok, ok, d'accord, il s'est barré vite fait. Bon, c'est vrai que j'ai encore oublié d'aller prendre les quêtes, mais bon, c'est pas grave. Des petits flancs mous. Des petites araignées, des petits trucs de merde. Voilà, du coup, c'est vrai que les mobs commencent à revenir un petit peu. Mais en vrai, il y a eu des mobs un peu plus originaux que dans les autres. Parce qu'il y a des mobs qu'on n'a jamais vu dans d'autres SAO. C'est vrai que dans les autres SAO, il y a beaucoup de scorpions qui sont revenus. Tout ce genre de trucs. C'est vrai qu'il y en avait énormément des scorpions. C'était infernal, quoi. J'espère juste que dans le nouveau, on n'aura pas autant de... Justement, de mobs qui se ressemblent, quoi. Oh. D'accord, on est dans une sorte de colisée. C'est un peu marrant, hein. On va dire certains... Oh, petite belle abeille. Ça fait longtemps, ça, les abeilles. Ouais. Comment ça t'arrive à survivre? Ouais, du coup, on va devoir buter certainement des trucs là-dedans pour pouvoir accéder... Ah, putain, mais elle est grande, en plus. Bon, ben voilà, du coup. Bon bah du coup j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouvera donc pour le prochain épisode, hein, tout simplement de Sword Art Online. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, d'ailleurs j'ai pris un level, je suis passé 121 en rendant les quêtes tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai pas dit. Mais du coup j'espère que ça vous aura plu, on se retrouvera dans le prochain épisode, alors d'ici là je vous dis donc portez-vous bien et à plus tout le monde.